Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Alors je parle de la forme passive. Je choisis pour vous cette leçon sous forme d'exercice pour bien maîtriser la forme passive. D'accord? Bon, on commence. Alors suivez avec moi s'il vous plaît pour bien comprendre. Alors, distinguez les verbes au passif par une croix. Les verbes au passif. Il y a deux types de verbes. Les verbes à la voix active, c'est normal. Ce sont des actions, normalement. Il y a aussi des verbes au passif. C'est-à-dire tout simplement qui appartiennent à la forme passive ou à la voix passive. Les petits se sont levés tôt ce matin. Normalement, se sont levés tôt ce matin. Se sont levés, c'est pas un verbe à la forme passée. Les tasses de café sont apportées par la serveuse. Alors, cette forme de phrase à la voix passée. La méthode a été expliquée dans le manuel. Des mesures seraient prises pour corriger la situation. Le père est ravi des résultats de ses enfants. Le professeur sera informé de la raison de leur absence. Ses enfants sont valorisés par leur grand frère. La ministre de l'Éducation est arrivée en retard. Le recteur de l'université élu pour un mandat de 5 ans. Le gagnant du concours sera choisi par les membres du comité. Les touristes seraient arrêtés à l'arrêt d'autobus. Deux œuvres de Michel Tremblay ont été joués dans plusieurs langues. Voilà. Explication. La méthode a été expliquée dans le manuel. A été expliquée. Il y a ce qu'on appelle la forme passive. Normalement, expliquer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et la même chose pour des mesures seraient prises. Non, on dit le père est ravi du résultat de ses envois. La voix active, normalement, sera informée. Puisque le verbe informer se conjugue avec l'auxiliaire avoir, normalement. Mais ici, c'est l'auxiliaire être. La même chose pour son valoriser. Pour le ministre de l'Éducation, il est arrivé en retard. Non. Normalement, arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Normalement. C'est la même chose. C'est la voix passive. La gagnante sera choisie. La même chose. Serait arrêtée. Et il y a aussi ont été joués. Alors, vous avez bien compris. C'est un peu difficile. Alors, écrivez ces phrases à la forme passive. Je vous donne un exemple. Le comptable tient les livres. Les livres sont tenus par le comptable. Les policiers arrêtent le voleur. L'architecte dessine les plans de maison. L'infirmière soigne le malade. Le prince réveille la princesse. L'agriculteur cultive la terre. Produit le miel, une voiture a renversé le chien, l'entrepreneur bâtit une maison, des fruits remplissent le panier, le technicien dépanne l'ordinateur. On dit le voleur est arrêté par les policiers. Alors lorsque je vois un verbe au présent comme arrête, alors normalement je dois conjuguer l'auxiliaire être au présent et arrête, plus le participe passé. La même chose pour les plans. Les plans de maison. Sont dessinés par l'architecte. Sont dessinés.
Alors, c'est ce qu'on appelle le sujet à la fin passif. L'infirmier sur le malade, on dit le malade est soigné par l'infirmière. Le prince réveille la princesse, on dit la princesse est réveillée par le prince. L'agriculteur cultive la terre, on dit la terre est cultivée par l'agriculteur. Regardez la différence, on suit toujours le présent. Hein? Parce qu'on a ici le présent, l'auxiliaire au présent. L'abeille produit le miel est produit. On ajoute le participe passé par l'abeille. Une voiture a renversé le chien a été renversé par une voiture. L'entrepreneur bâtit une maison est bâtie par l'entrepreneur. Et enfin, des fruits remplissent le panier est rempli par des fruits. Le technicien dépanne l'ordinateur est dépanné par le technicien. Voilà.